Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo sur les oiseaux de ma volière. Donc vous allez voir, elle est bien peuplée. Donc ici, au début, on a le couple de plombs diamants. Et ensuite, on a tous les jeunes. Il y en a 5 au total, dont 2 mâles de l'année dernière. Et ensuite, on a, je crois que c'est 2 femelles et un mâle, ou 2 mâles et une femelle. Voilà. Ensuite, on a, je sais pas si vous avez aperçu, les rosas du Mexique. Donc, ici, on a une femelle. Si je vais vous montrer un peu mieux. D'ailleurs, c'est son nid. Vous avez ici aussi. Le mâle, il doit se cacher. Donc, on voit aussi qu'il y a une femelle Pape de Nouméa vert de mer, ici. Un mâle long queue de hec, mutation topaze. Et une femelle crémino, aussi. Des diamants de fourbe. Il y a un trio, il y a 2 mâles et une femelle. Ils se portent bien. Après, on m'a conseillé de voir lequel le mâle préféré et ensuite séparer l'autre femelle. Mais bon, il est toujours à côté des deux. Vous allez voir que là quoique il est avec la bague blanche. Et après des temps, il est avec la bague noire. Des fois, il est avec la noire au nid. Ah, là, vous voyez, il y a un jeune mâle qui appelle. Un jeune mâle comme diamant. Et alors, attendez, parce que je vous ai pas montré mon mâle Pape de Nouméa. Ah, voilà, juste ici. Il est juste là. Après, il aime bien aller au sol, c'est les oiseaux qui... Et mon mâle Roselin, pareil. Je ne l'ai pas encore montré. Il se cache. Ah, il est là-bas. Voilà, juste là. Bon, il a un orange pas trop marqué, mais voilà. Quand je l'ai acheté, il est comme ça. Et encore, il était beaucoup moins marqué. Là, il est un peu plus marqué. On va voir si... Je pense que je vais lui donner un petit peu de pâté rouge. Pas de colorant. Moi, ça va être pâté rouge, simplement. On verra si ça va... Et on verra comment se portent les jeunes, comment ils vont évoluer. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc là, femelle longuée de hec et crémino. Là, toutes les colombes diamants. Bon, je vais rentrer et je vais vous montrer un petit peu le nid. Et voilà. Et comme ça, je vous montrerai un peu de plus près les oiseaux. Alors attendez, parce que ça va un peu secouer. Donc je vais vous mettre en pause et vous allez voir. Voilà. Donc, comme les colombes diamants vont en haut, les autres oiseaux sont un peu. Voilà, on les voit bien. Là, vous voyez, c'est un joli mâle de l'année dernière. De toute façon, ils sont tous bagués donc. Là, je pense que ça va être une jeune femelle, celle-ci. Et après, j'en ai deux ici. Celui-ci, je crois que c'est celui-ci qui va être... Non. Bon, celui-là, ils sont encore jeunes. Hein. Ça fait pas longtemps qu'ils sont sevrés. Mais je pense que je vais tous les sortir et juste laisser le couple au pollueur. Et voilà. De toute façon, je veux pas me garder plus de couples parce que... déjà, la volière, elle est petite. Et je veux pas qu'il y ait de bagarre, donc voilà, je préfère garder juste mon couple producteur et me séparer de tous les jeunes. Donc là pour l'instant, il me semble que j'ai mis en vente les. Oui, j'ai mis en vente les 2 mâles. Et après je mettrai aussi les jeunes, j'attendais qu'ils soient bien sevrés. Bon, ils sont bien sevrés. Voilà, mais donc voilà, ici on voit bien donc mon mâle Pape de Nouméa, la femelle vert de mer. Les fourbes, ici les 2 femelles, femelles crémino. Donc voilà, je vais vous montrer les nids. Alors ici on a un très beau nid des rosas du Mexique. Voilà, il y a 2 œufs, ça couvre. Ici, il y a, je vais vous dire ça, il n'y a rien. Ici c'était un nid pour perruches. Vu que j'avais les bourques, mais voilà, les bourques, j'ai perdu la femelle, donc je vends le mâle. Ici, il y a un petit rosa du Mexique. Voilà, déjà bagué, déjà, il commence à plumer, donc sympa. Vous voyez, il réclame à manger. La femelle, souvent, elle se met ici, et elle le nourrit comme ça. Ici, c'est un nid à colombes diamants. Ouais, ils ont déjà recommencé. Il n'y a pas d'œuf, mais bon, ça va pas tarder.
Ici, je sais pas c'est qui, c'est les papes, ici c'est des longues queues de hec. Il n'y a rien du tout. Ensuite, on passe là-bas. Alors ici, je vais vous dire ça. Ici, il n'y a rien du tout. Et ici, il n'y a rien non plus. Je ne sais pas si je peux vous montrer correctement. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les cailles de Chine. Alors, vous voyez, là, il y a la femelle. Elle a écouvé des œufs. Donc, bon, ceux-là, ils sont plus bons, du coup. Mais elle a abandonné de couver. Du coup, il n'y a eu qu'un seul petit. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Ah, le voilà. Le voilà. C'est tout petit. Hein. Ouais, attention, c'est tout petit. On va le brûler. Bon, c'est bon, il est parti avec les parents. Donc voilà. Il s'en occupe super bien. L'année dernière, j'en avais eu 3. Voilà. Cette année, il y en a un, mais bon, c'est toujours sympa. Donc voilà, donc tout ce qui est colombe diamant, ça reproduit super bien. Rosela, ça va. Mais ce qui est fourbe et pape de Nouméa, ça me plus du mal. Donc voilà. Bon, après, les longues queues de hec, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, donc c'est normal. Hein. Et même les papes, ça fait moins d'un mois qu'ils sont ici. Donc voilà. Donc de toute façon, je vous tiendrai en courant. Comme ça, vous avez vu un petit peu tous les oiseaux que j'ai ici de la volière. Et voilà. Donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.